tout le monde, je ne suis pas en plateau aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai une bonne excuse. Je suis à l'INSEP et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Pierre Gouzou, champion du monde, champion d'Europe de trampoline, le seul représentant français dans cette discipline, et vous allez voir que c'est très très technique. Vous venez avec moi ? Allez, allez, on s'en sort. Allez, allez. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais regardé le trampoline, qu'est-ce qu'il doit savoir absolument ? Il faut faire 10 figures enchaînées et obtenir le meilleur score possible. Il y a 4 critères. Le premier, c'est l'exécution. Le deuxième critère, c'est la difficulté. Et après, on a des capteurs sous le trampoline qui permettent de mesurer les points d'impact des 10 sauts. Plus on est au centre, plus on a des points. Et ces mêmes capteurs vont aussi mesurer le temps de vol. Plus on va haut, plus on a des points. La règle numéro 1. C'est de rester tonique, c'est de contrôler gainer. Ses mouvements, ouais. Gainer, voilà. Ne pas se laisser aller, parce que si on contrôle pas son mouvement, on peut être éjecté par le trampoline et il nous emmène où il veut. Let's go. Hop, les bras. Ça va? Tu voulais me faire faire une figure? Ouais, plusieurs. Genre? Les sauts de base, donc c'est les positions qu'on a en trampoline. Saut groupé, ça ressemble à ça. Tac. Ok. Saut carpé, jambes tendues. Les sauts éclairs, les jambes qui montent sur les côtés. Voilà, très bien. Olé. Ouais, mieux, mieux. Et tu voulais mettre le tapis, pourquoi? Quatre pattes rentrées tête. Quatre pattes rentrées tête. Ouais. Ouais, pas mal. Ça fait peur ou pas ça? Ça va. Merci beaucoup Pierre, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. Avec on te plaisir. Souhaite bonne chance pour les jeux. On va te regarder attentivement. Et moi, je vais bien dormir ce soir.